Medianoche. Medianoche. not. Bonsoir à tous, en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Posé Avant de nous lancer dans l'émission comme d'habitude, je vais faire les petits rappels d'usage. Je vous encourage donc à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à venir surtout y interagir avec nous. Je vous encourage également à vous rendre régulièrement sur notre site, lucarne opposéfr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello mais aussi pour vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas non plus, c'est important, à vous abonner aux différentes chaînes sur lesquelles vous écoutez ce podcast, notamment sur notre chaîne YouTube et sur celle-ci à venir laisser pouce bleus et commentaires et tout ce qui va bien, tout ce qui, il paraît, aide au référencement. Je vous rappelle... Aussi, que le 14e numéro de Lucarno Opposé Magazine vient tout juste de sortir, il évoque notamment quelques entraîneurs qui ont profondément marqué l'histoire du football. Et je vous rappelle aussi que nous avons une boutique, ou plutôt une librairie, qui vous permettra de découvrir les ouvrages de notre propre maison d'édition. Oui oui, notre maison d'édition que nous avons nous-mêmes créée avec notre petite main. Vous y trouverez dedans... La biographie de Garincha, qui est sortie en décembre dernier, et qui est forcément toujours disponible, hein, qui sera de toute façon toujours disponible, mais aussi la possibilité de précommander l'autre prochain ouvrage, la version française des 11 Caminos al -Gol, le livre référence pour mieux comprendre Marcelo Bielsa. Voilà les rappels d'usage, tous les liens à sujet des réseaux sociaux et pour nous suivre, nous soutenir, etc., etc. sont dans la description de cet épisode. Un épisode donc, le sixième de la saison 4 de Bola Latina, où l'on va remonter le temps, retrouver le Brésil victorieux des années 60-70, celui donc de Pelé dont il a été beaucoup question ces derniers temps, d'une part avec la fameuse histoire des mille buts, ensuite, et c'est surtout cela qui va être l'objet de notre podcast du jour, à la suite de la sortie... D'un documentaire sur Netflix fin février, documentaire qui est donc consacré au roi Pelé. Un doc qui va donc revenir sur cette époque des années 60-70 et dont on va parler avec celui qui, à la rédaction, est l'actuel double champion du Brésil. Marcelin Chamois, salut Marcelin, comment vas-tu? Exactement, salut Nico, ça va très bien et toi? Eh bah bien écoute, ça va, je pense que ça va encore mieux pour toi après ce final <laughs> un petit peu stressant du Brésilien, mais là voilà, la joie est aussi là. Ouais, on ne va pas se plaindre de, de, de la fin, mais c'est vrai que le, le final était, était assez incroyable. Et je vais, je vais m'en souvenir longtemps. <laughs> Encore un hein, décidément, euh, voilà, vous êtes bien hein, du, côté, euh, du côté de Flamengo ces dernières années. Vous êtes bien gâté hein, entre les, fi le, les différents euh, finales, hein, les, <laughs> les différentes finales de 2019 et le final de ce championnat-là. Vous êtes pas mal. Hein, même si bon, je pense que tu aurais peut-être préféré avoir le même genre de championnat que l'année dernière. Mais bon, bref, on va pas parler de Flamengo aujourd'hui. Hein, je suis désolé. On va donc s'intéresser à ce documentaire qui est sorti sur Netflix, qui évoque le roi Pelé, je le disais avec Surtout en point d'orgue 1970, et avant de se lancer véritablement dans le sujet, parce que qu'il bon, y a deux, trois choses quand même qui méritent que l'on y revienne, surtout nous, j'ai envie de dire, surtout toi aussi plus particulièrement, euh, on va quand même dire un mot euh, général sur ce documentaire. Tu en as pensé quoi, toi, de ce doc bah, Je l'ai trouvé intéressant, même si au final on n'apprend pas grand-chose. Il euh, y a quand même des très belles images, que ce soit pendant les matchs, aussi la mise en scène des témoignages. Je pense notamment à la scène où il retrouve ses coéquipiers de Santos. Les témoignages sont, sont intéressants. Et puis la, la grosse surprise et le, le point positif du documentaire, c'est ces liens avec la dictature qui sont abordés. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ça. Ça manque après, par contre, peut-être un peu d'image vraiment de Pelé sur le terrain, qu'on a un petit peu moins vu. Pour ça, il y a le documentaire Histo et Pelé qui date de 1974 et où c'est pendant 1h20 euh, que du pelé sur le terrain et euh, celui-là disponible sur YouTube. Mais c'est vrai que tu l'as dit, hein, euh, cette histoire de la dictature. Je t'avoue qu'à titre personnel, il y a deux choses qui m'ont marqué dans ce doc. Je ne sais pas toi, c'est la toute première image quand pelé arrive en fauteuil roulant. Je ne sais pas toi, mais ça fait un choc. Je ne sais pas comment tu l'as pris toi, mais euh, tu te dis, ah non, bah non. Non les gars, euh, donc c'est quand même intéressant par rapport à l'image, hein, puisqu'il va être beaucoup question d'image aussi dans, 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 dans ce que l'on va parler par rapport à l'image de Pelé, et effectivement le fait d'aller le titiller sur la dictature. Euh, tu le dis, on ne voit pas beaucoup d'images du terrain, il y a d'autres docs pour cela, mais c'est quand, euh, quand même assez courageux d'aller le chercher, d'aller le titiller là-dessus. Hein. Où oui, est-ce qu'il contrôle d'habitude toujours euh, son image et, euh, et d'habitude, on n'en on parle pas. alors Même si là, bon, il, euh, on n'apprend pas grand-chose de plus non plus sur ses liens avec la dictature, mais au moins ils oui, sont abordés, et puis il, il, il le fait de façon assez honnête. Et donc c'est vrai que par rapport à ce qu'on a connu avec euh, Pelé, euh, ça reste une surprise. Ouais. Ouais, et du coup, ça rend ce documentaire un petit peu, on peut le dire aussi, ça peut être aussi un bon complément à toute la partie sportive que tu as abordée sur notamment le Histo et Pelé de 1974. Voilà, c'est intéressant pour cela. Ce documentaire est donc intéressant par rapport à ces aspects-là, et aussi parce qu'il permet de voir certaines choses sur l'homme, le, le personnage Pelé, pas l'homme. Le personnage Pelé, c'est assez intéressant par, par rapport à cela, mais... mais parce que voilà, on a, on a parlé du doc, mais si on commence à parler en disant ce qui est bien, c'est que tout de suite arrive derrière le mais avec un M majuscule, il y a un énorme point noir dans ce doc. C'est un petit peu ce que j'aurais tendance à décrire comme une réécriture de l'histoire, justement, sur certaines phases. Et la plus grande, la plus grande illustration de tout cela, et je sais à qui je le, je le dis, toi qui es l'auteur de la biographie euh, sur cet sur, sur ces homme-là, c'est l'absence quasi. Total de Garincha dans cette histoire. Euh, oui, c'est très choquant parce que le nom Garincha n'est prononcé euh, aucune fois dans le documentaire. Et il y a quelques très rares images euh, de Garincha, euh, notamment à la Coupe du Monde 58, où on le voit euh, sur euh, une vidéo où il est avec euh, Didi, Pelé et Zagallo. Et d'ailleurs, juste après, il y a une, une image de, de cette même scène et il semble coupé euh, de cette photo, euh, qui d'ailleurs n'est pas de la Coupe du Monde 58, mais de la Copa América 59, puisqu'au milieu, il y a Paulinho Valentim. Donc qui dispute la Copa América 59 mais pas la Coupe du Monde Et puis on voit que c'est le maillot bleu de, de la cs Et en 58, ils n'avaient pas de maillot bleu. Et lorsqu'ils apprennent qu'ils vont devoir jouer la finale contre la Suède en bleu, c'est un petit peu en catastrophe qu'ils récupèrent le logo de la CBD sur le maillot jaune pour le coudre sur, sur un maillot bleu. Mais voilà, on voit très peu Garincha. On le voit un petit peu à la fin du match contre la Suède où il félicite Pelé. Et puis après, en 1966, quand ils sont à l'hôtel Lynn en Angleterre pour la Coupe du Monde, ils passent devant la caméra un petit peu par hasard. Mais sinon, c'est les seules fois où on le voit. Oui, et tu le dis, ce qui est choquant du coup, c'est qu'il est, on peut le dire, limité au rôle d'un figurant. Hein, euh, finalement. Et là où ça pose problème, là où ça pose vraiment un gros problème, j'ai presque envie de dire, c'est surtout quand euh, la Coupe du Monde 1962 est abordée, où le documentaire laisse à penser que finalement, parce qu'on le sait, hein, Pelé se blesse dans cette, dans, cette, dans cette Coupe du Monde, tu vas y revenir, mais on laisse penser que le héros de cette Coupe du Monde, c'est Amarildo, qui aurait été euh, porté par les conseils et surtout l'aura mystique de Pelé. C'est improbable de parler de la Coupe du Monde 62. Sans parler une seule fois de Garencia. Donc Pour rappeler le contexte, Pelé est attendu comme la grande star de cette Coupe du Monde. Il a seulement 21 ans, mais avant cette Coupe du Monde, il est déjà à 489 buts en 427 matchs, tout match compris. Il joue en moyenne 80 matchs par an. C'est peut-être aussi pour cela qu'il se blesse tout seul sur une frappe à cause de cette accumulation de matchs. Mais du coup, les forfaits pour la Coupe du Monde. Et il est remplacé par euh, Amarildo, qui est très jeune, il a 21 ans aussi. Et Amarildo il va être décisif euh, contre l'Espagne. Donc, lors, lors du dernier match du premier tour, le Brésil a besoin d'un match nul pour se qualifier. Et il, est, il est mené et finalement va, va l'emporter de 1 grâce à un doublé d'Amarildo euh, dans les 20 dernières minutes. Amarildo va aussi euh, égaliser juste après l'ouverture du score en finale contre euh, la Tchécoslovaquie. Donc, Amarildo a été important pour, pour la Coupe du Monde, mais ça n'a pas été le, le joueur de cette Coupe du Monde euh, qui était Garincha. Et puis, par rapport à, à, à Laura de Pelé, euh, effectivement, je pense que Pelé euh, a parlé à Amarildo. Enfin, j'espère en tout cas, c'est un groupe de 22 joueurs. Si euh, Pelé, la grande star, se blesse, euh, évidemment qu'il va, qu va dire quelques mots à son remplaçant, mais ça n'a pas été décisif. Et d'ailleurs, lors de ce match contre l'Espagne, Amarildo est assez nerveux au début et c'est Didi qui va le, le tranquilliser en lui disant mais regarde autour de toi, c'est le Botafogo puisqu'Amarildo joue au Botafogo comme Didi, euh, comme Nilton Santos, comme Zagallo, comme Garrincha. Donc voilà, il y, y a vraiment ce, ce rôle de Didi qui a aussi été euh, important. Et euh, dans, dans un livre de Dinaldo de Souza euh, donc qui s'appelle Friendship Brasil », qui euh, revient un petit peu sur bah, les trajectoires de, de Pelé et Garrincha. Uh, Dinaldo de Souza dit dans ce livre qu'après le match contre l'Espagne, uh, Pelé va rappeler uh, à Garencha l'importance du, du tournoi uh, en parlant de, de responsabilité et Garencha va être la, la grande star uh, du Mondial donc là aussi je ne dis pas que c'est grâce à Pelé uh, que, que Garencha va un petit peu se, se révéler uh, finalement mais si c'était aussi une énorme star mais uh, que ce soit en 58 ou, ou même avec son club du Botafogo uh, il jouait surtout sur son côté droit uh, il driblait les joueurs uh, quand il voulait et, euh, et il n'avait pas ce rôle de leader euh, qui va avoir à la Coupe du Monde 62. Et il va reprendre vraiment, lui, pour le, le rôle de, de Pelé, euh, qui, bah, qui marquait évidemment, mais qui faisait aussi euh, les actions offensives. Et, et Garintian, on va le voir un petit peu plus euh, au centre. Il va être, il va être incroyable contre l'Angleterre. Donc en quart de finale, il met un doublé. Contre le Chili, en demi-finale, il met un doublé aussi. Et puis il met des buts en tirant de, hors de la surface. Euh, il marque de la tête aussi, alors que lui-même avait dit que le, le jeu de tête, ça ne l'intéressait pas. Euh, il se faisait mal à la tête euh, quand il en faisait. Donc il laissait ça aux autres. Donc voilà, le 62, c'est vraiment Garincha, même si euh, il y a eu d'autres joueurs importants. Donc, on a parlé d'Amarildo. Il y a aussi en, en défense Nilton et Jalma Santos. Euh, évidemment, Didi au milieu qui reste euh, le leader. Et d'ailleurs, le documentaire, à la fin, parle d'une... De, de, comme une rencontre entre Pelé et Marildo euh, sous, sous la douche où Pelé est, est encore habillé. Et au milieu d'eux, on voit Didi qui, qui reste vraiment ce, le leader de, de cette équipe, en tout cas le leader vocal et le leader technique. Pour une fois, ça, ça a été Garincha. Ouais, c'est ça. Et euh, c'est là où c'est intéressant, tu l'as dit. C'est que euh, finalement, si on doit chercher ce qu'essaye de faire ce doc en, en essayant de faire une espèce de lien entre Pelé et Marildo, tu l'as dit, euh, le lien sportif, celui qui va prendre véritablement sur le terrain la place de Pelé, que ça soit au sens premier du terme, hein, on ne parle même pas au niveau de la performance qu'il va donner, c'est véritablement Garincha. Et forcément, tout cela soulève une grande question, parce que vous nous connaissez, on ne va pas juste faire un podcast pour dire ouais euh, c'est nul, ils ont oublié Garincha. On va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même. Euh, on va essayer de, de se poser des questions à ce sujet-là. Pourquoi pas de Garincha et surtout surtout sur cette Coupe du Monde 1962, parce que c'est j'ai presque envie de dire Marcelin, je parle sous le temps. Sous, sous, sous ton autorité, c'est un, un fait public le fait que le 62, c'est la Coupe du Monde de Garincha. Euh, Garincha gagne 62 comme Maradona gagne 86. On est bien d'accord. Oui, c'est souvent la comparaison d'ailleurs qui, qui est faite. On dit oui, euh, Garincha a, a gagné 62 à lui tout seul, euh, comme Maradona a gagné à lui tout seul euh, 86, même s'il y avait d'autres joueurs Évidemment. importants au Brésil, peut-être plus que pour ouais. euh, l'Argentine 86. Mais oui, si on dit Coupe du Monde 62, c'est Garincha qui. Euh, euh, qui apparaît tout de suite et c'est aussi euh, bah, cette compétition qui a fait euh, une partie de la légende de parce qu'avant encore une fois il était vu un petit peu comme, comme le dribbler, comme le, le joueur qui faisait le spectacle mais pas forcément le, le joueur qui était décisif, celui qui est décisif c'est Pelé et en 62 eh bien, euh, bah, Garen Schaaf va arriver à remplacer euh, Pelé dans, dans les performances et en étant décisif, en ayant cette, cette mentalité euh, euh, à la Pelé et c'est vraiment lui qui offre la, la Coupe du Monde 62 au Brésil. Et donc voilà. Et donc on, on, vous le, on, on voulait bien le préciser parce que ça fait un petit peu le duel des, 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 des vieux, des vieux grognards dans un coin. Et rappeler aussi que même déjà à l'époque, hein, les gens avaient mesuré que Garincha était, enfin voilà, Garincha est la star de 62. Mais donc je le disais, ça pose une grande question. La question, c'est au final de la relation entre Pelé et Garincha. Est-ce que ces deux joueurs là est-ce qu'il y a des raisons qui peuvent expliquer une réécriture de l'histoire Est-ce que ça pourrait venir d'une relation particulière, dans tous les sens du terme, entre Pelé et Garincha Alors, on va essayer de regarder du côté des hommes, mais on va quand même commencer, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, par regarder sur le terrain, Marcelin. Ce que tu as fait quand Pelé et Garincha sont associés, ensemble, sur un même terrain, ça donne quoi Alors, avec la Célestin, il y a eu 40 matchs, euh, 35 victoires, 5 nuls, et donc 0 défaite. Euh, parfois, on voit le, le chiffre de 36 victoires, 4 nuls. J'ai vérifié, c'est bien 5 matchs nuls. Et donc, 0 défaite. Et euh, Pelé en parle dans, dans sa biographie. Euh, Ce pas quelque chose dont ils étaient au courant pendant euh, leur carrière. Et donc, c'était pas un défi d'avant-match vraiment de, de préserver cette euh, invincibilité euh, à tout prix. Mais c'est assez facile de se rendre compte euh, qu'ils qu ont été invaincus. Euh, puisque Garincha va connaître une seule défaite euh, avec la CS1 de toute sa carrière. ça sera son dernier match contre la Hongrie en, en Coupe du monde 66, où euh, Pelé est blessé. Et sur ces 40 matchs, il va y avoir 44 buts de Pelé contre 10 de Garincha. Donc on voit encore une fois la différence au niveau des, des buts marqués euh, entre les deux joueurs. Il va y avoir aussi euh, un dernier match euh, avec les deux sur le terrain. Ça va être euh, en 73 pour le, le jubilé de Garincha euh, au Maracana. Alors avec la sélection brésilienne, mais, euh, mais la CBD euh, ne voulait pas vraiment soutenir ce match et, et a refusé de laisser euh, les joueurs porter le maillot officiel de la sélection, c'est pour ça qu'il joue avec un short vert, mais Pelé qui a pris sa retraite internationale deux ans plus tôt va participer à ce match et marque d'ailleurs un but exceptionnel en dribblant 4 joueurs avant de tromper Andrada donc le gardien contre qui il avait déjà marqué son millième but, mais sur les 40 matchs entre, avec Pelé et Garencha j'ai pu en voir 21 en vidéo, donc enfin, les, les extraits, et il y a sur ces 21 matchs 20 buts de Pelé contre deux seulement de, de Garencha. Mais surtout, il y a une seule passe décisive de Pelé pour Garencha. Donc c'est un, un amical contre le Pays de Galles en 62, Et pareil, une seule passe décisive de Garencha pour Pelé euh, lors de, de la Copa América 1959. Euh, face à l'Argentine. Donc, il manque quand même la, la tournée de 1960 où il y a 7 matchs, 7 buts de Pelé et 3 buts de Gancha. Donc, peut-être sur ces, ces 10 buts, euh, il y a des échanges entre les deux, mais le, le total est, est assez faible. Du coup, on ne retrouve pas la, la complicité sur le terrain qui pouvait y avoir euh, entre Pelé et Coutinho, donc euh, mmh. l'avancente de Santos, qui est peut-être du coup était son son plus grand, enfin, son meilleur partenaire, on va dire, euh, puisqu'ils étaient connus pour euh, ce qu'on appelait les Tabellinas. Donc, c'était des 1-2. Et en fait, ils remontaient toute la partie de terrain euh, adverse euh, à eux deux en se faisant des passes, et les, les défenseurs n'arrivaient pas euh, à les à les arrêter euh, pour euh, Pelé Garanča. J'avais envie d'oser une, une comparaison avec euh, donc on sort encore du, du foot avec euh, Kobe Bryant et Shaquille O'Neal aux Lakers au début euh, des années 2000, euh, même s'il n'y a pas de conflit ouvert entre Pelé Garanča euh, comme il euh, y a pu y avoir avec euh, avec Kobe et Shaq, mais c'est vraiment deux personnalités très différentes. Et d'ailleurs, on pourrait euh, faire cette opposition travail plaisir avec euh, les Kobe vraiment axé sur le travail et euh, de l'autre côté le plaisir du jeu, et puis surtout le, le euh, comment le pas la haine, mais le, le, pas vraiment aimer s'entraîner et tous les, les efforts avec euh, Shaquille O'Neal et Garincha. Mais c'est surtout sur le terrain où ça me faisait penser euh, ouais. à, à ces deux, euh, puisqu'on a deux très grands joueurs qui, euh, qui peuvent se faire des passes évidemment, mais surtout en fait ils peuvent frapper chacun à, à leur tour, et c'est ce que disait euh, juste Fontaine après la Coupe du Monde 58 où disait que c'est impossible de les arrêter, parce que si on marque Pelé, bah Garincha va être libre. Et inversement, si on marque Garincha, Pelé va être libre. Et donc c'est vraiment voilà, les, les deux qui vont faire mal, euh, chacun à leur tour, un petit peu comme, euh, comme Kobe et Shaq pouvaient le faire euh, à leur période. Ouais, et comme tu le dis, hein, ils vont faire mal chacun à leur tour, mais ils ne se recherchent pas particulièrement. Il n'y a peut-être pas de, comment -je, de, de, lien, euh, de lien dans le jeu entre les deux, comme tu viens de, de, de l'expliquer. Je ne suis pas sûr que, effectivement les sept matchs de la tournée euh, changent totalement ou significativement les statistiques hein, sur 40 matchs. Bref, ça c'est quand ils jouent ensemble. Il se passe quoi quand ils s'affrontent euh, est-ce qu'on a le bilan de, de, de leurs affrontements Ça a donné quoi Alors, oui, j'ai regardé. Donc, il y a moins de matchs. Il y en a 12 en carrière avec un avantage pour Pelé, ce qui va avoir 8 victoires de Pelé contre 3 de Garincha et un match nul. Et aussi au niveau des buts, avec 12 buts de Pelé contre un seul de, de Garincha. Sur ces 12 matchs, il va y en avoir 7 au Maracana, un petit peu comme s'il fallait forcément le, le plus grand stade du monde pour accueillir ces deux joueurs. Évidemment. <laughs> Évidemment, même si le, le premier match va avoir lieu au Villa Belmiro, donc le, le stade de Santos, le 11 mai 57, euh, avec une victoire 5-1 de Santos dans, dans ce qui s'appelait euh, le, le tournoi Rio-San Paulo euh, à l'époque. Euh, Pelé, qui a 16 ans, ne, ne marque pas, mais il va impressionner Joao Saldanha, qui était l'entraîneur euh, du Botafogo, qui va demander euh, à ses dirigeants de, de faire une offre pour euh, recruter Pelé. Euh, les dirigeants de Santos vont, vont évidemment euh, refuser immédiatement. Mais il n'y a pas de, de, de Brasileraon à l'époque, ni même de Tassa Brasil, donc qui était le, le premier championnat national qui, qui a eu lieu. Euh, il y avait seulement les championnats d'État. Et aussi ce, ce tournoi Rio-São Paulo, c'était les, les cinq meilleures euh, équipes euh, de, de São Paulo contre les cinq meilleures de, de Rio. Euh, parfois les matchs, par exemple un, un Santos Corinthians du championnat Paulista allaient compter aussi pour le, le tournoi Rio-São Paulo. Mais c'est vraiment ouais, le seul championnat qui offre euh, un duel entre les deux. Euh, et c'est pour ça, donc, sur les cinq premiers affrontements, affrontements Pelé-Garincha, il va y en avoir quatre dans le tournoi Rio-San Paulo, avec euh, trois victoires de Santos et un match nul, et euh, trois buts de Pelé. L'autre affrontement sur euh, cette période, euh, ça va être euh, en 59. Euh, ça va pas être au Brésil, ça va être euh, à La Corogne, euh, dans le tournoi Teresa Herrera, donc, qui était vraiment un, un tournoi très prestigieux euh, à l'époque. C'est des tournois de fin de saison, ils s'affrontent euh, au mois de juin. Et euh, le, le Deportivo La Corogne va, va participer seulement à partir des années 90 à ce tournoi. Avant, les organisateurs cherchaient vraiment à avoir les, les deux meilleures équipes euh, possibles. Il euh, faut regarder la, la liste des, des clubs qui ont participé, que ce soit euh, en Amérique du Sud ou en Europe. Il y a vraiment la, la crème de la crème qui, euh, qui ont déjà participé euh, à ce tournoi. Et donc, Santos euh, Botafogo vont, vont s'affronter euh, en 59. Avec une victoire 4-1 de Santos, encore une fois, et un but de Pelé. Ensuite, on arrive en 62, c'est vraiment une année charnière, puisque c'est la dernière grande année de Garencha. Ils vont s'affronter dès le 3 janvier. Il va y avoir un match amical au Maracana, mais entre les vainqueurs du championnat Paulista et Carioca. Donc, Santos et Botafogo, qui ont vraiment dominé tous les deux leur championnat en 61. Et donc, ils s'affrontent dans ce match amical, mais. Le but un petit peu c'est de, de voir quelle est la meilleure équipe entre les deux. Et donc c'est un petit peu un, un titre non officiel de champion du Brésil. Garincha et Pelé vont, vont s'échanger les, les écharpes de, de champion avant le match. Et Botafogo va, va s'imposer 3-0. Et d'ailleurs après le, le, le président du club va dire on est la plus grande équipe du Brésil. C'est vraiment euh, l'enjeu de ce match. Et les, les deux équipes vont se retrouver donc, vraiment à la fin de l'année. Euh, 62, le, le 19 décembre, à nouveau Botafogo et Santos ont gagné le, le championnat euh, d'État. Et va y avoir un match au Maracana. Alors c'est pas euh, Botafogo-Santos, mais c'est un match entre les, les syndicats de joueurs. Enfin, il y avait un syndicat de joueurs qui va faire une équipe de São Paulo et une équipe euh, de Rio. Donc, pareil, aujourd'hui ça semble assez obscur, mais euh, à l'époque bah, c'est les meilleurs joueurs et qui ont gagné euh, la Coupe du Monde quelques mois plus tôt qui s'affrontent. Et va y avoir une victoire 6-4 euh, de Rio avec un but de Garincha donc son seul but face à Pelé ça ne sera pas sous le, le maillot de Botafogo mais sous le maillot de, de cette équipe euh, de Rio euh, Pelé lui met euh, un doublé et en, en 63 on, on a déjà le, le déclin de, de Garincha euh, puisqu'il va disputer seulement 7 matchs officiels au cours de l'année alors que Pelé est toujours dans, dans le top de sa forme euh, puisque sur l'année il met 74 buts en, en 58 matchs seulement et d'ailleurs on va voir ce, ce déclin de Garincha dans, dans les rencontres entre Santos et, et le Botafogo, il va y avoir deux matchs euh, à nouveau au Maracana, euh, dont l'un, euh, la finale de la Tasa Brasil, donc c'était euh, euh, le premier championnat national avec en fait, il euh, fallait gagner son championnat d'État pour, euh, pour être qualifié. Il y a une finale Santos-Botafogo, et le, lors du dernier match, Santos impose 5-0 euh, avec un doublé de, de Pelé. Les deux équipes du coup se, se qualifient pour la Copa Libertadores et se retrouvent euh, en demi-finale. Et là, ça va être une victoire 4-0 de Santos avec un triplé de Pelé donc qui, euh, qui remporte finalement ce, ce duel à distance contre euh, Garencha. Il va y avoir un, un dernier Santos-Botafogo euh, avec une victoire 3-1 encore une fois de Santos. Encore une fois, un but de Pelé. Euh, ça sera en, en 64 dans, dans le tournoi Rio-San Paulo avec un, un match euh, au Maracana. Et à, ces, à cette époque, euh, Garencha est vraiment en fin de carrière au Botafogo. Et Santos est, est, incru, est intéressé pour recruter Garincha. Donc, on aurait pu avoir, comme on aurait pu les avoir euh, au début de carrière de, de Pelé jouer ensemble sous le maillot d'un club, on aurait pu l'avoir à la fin de carrière de Garincha, cette fois-ci au Santos. Mais le, le président Hattier va imposer à Garincha un test de trois mois. Et surtout, il le dit, il le dit comme ça euh, Garincha doit rester loin euh, d'Elsa Suarez, sa, sa compagne de, de l'époque. Et donc, les négociations euh, s'arrêtent euh, là, euh, évidemment. Euh, Pelé et Schaaf vont quand même s'affronter euh, une dernière fois en 66 Schaaf a quitté le Botafogo il joue au Corinthians donc il peut disputer euh, le championnat Paulista et il affronte euh, Santos euh, au Pacaembu et c'est Santos qui va s'imposer euh, 3-0 avec cette fois un triplé de, de Coutinho, ce que Santos de cette époque il n'y avait pas que Pelé évidemment. Vous l'avez compris hein, dans, dans ce que vient de vous expliquer Marcelin. Il faut quand même toujours insister là-dessus. l'un était à Rio, l'autre était à São Paulo. Donc forcément il n'y a pas beaucoup de pas suffisamment d'occasions de s'affronter. Vous venez de le voir. Et si vous voulez d'ailleurs en savoir un petit peu plus hein, sur cette période de déclin dont a dont a parlé Marcelin, évidemment je vous renvoie toujours et de toute façon je vous y renvoie quoi qu'il arrive vers la biographie de Garincha. Vous verrez vous verrez tout cela et vous comprendrez en quoi 62 a. Et le point de bascule, comme le disait Marcelin. Et donc, pour en revenir à ces affrontements, je le disais, et tu l'as montré, il n'y a pas énormément d'affrontements sur le terrain entre les deux. On sait comment fonctionne le football, hein, encore plus de nos jours, hein, où on a passé euh, plus d'une décennie, euh, voire même 15 ans à affronter Messi et Ronaldo, parce qu'ils s'affrontaient aussi sur le terrain, euh, notamment quand euh, l'un était euh, au Real et euh, pendant que l'autre était au Barça. On n'a pas assez de matchs finalement l'un contre l'autre. Et donc, du coup, la question, Marcelin, c'est est-ce que finalement, quand même, dans la presse, on arrive à les opposer. Est-ce qu'il y a des, voilà, des campagnes de presse ou euh, des angles, souvent, des angles qui sont mis pour opposer Pelé et Garincha à l'époque Alors oui, on les opposait. Il y a par exemple la revue Veja en 72 qui euh, écrit « C'est ironique que le meilleur joueur de football du Brésil avec Pelé, donc en parlant de Garincha, est parfois plus grand que Pelé, soit justement à tout point de vue un anti-Pelé. » Donc il y avait euh, cette, euh, cette opposition vraiment sur, sur la personnalité, on va dire, euh, des deux. Euh, par exemple, Denaldo de Souza, aussi, dans, dans le livre dont on avait, dont on a parlé euh, en début de podcast, écrivait euh, complètement opposés, mais pas antagonistes. Ils sont complémentaires. Donc euh, voilà, il y, y avait cette opposition. On peut citer aussi Mario Filio, euh, Donc dans, dans son livre euh, negro no Futibo Brasileiro, donc, qui a été écrit en 1947 et réédité en 1964. Donc euh, on est, les deux sont, enfin Pelé et choix sont encore euh, dans, dans leur carrière. Mais Mario Filho dit qu'il y avait toujours eu un seul joueur. Donc, il parle d'abord de Friedenreich et Leonidas. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours eu une seule grande star du football brésilien. Et il dit qu'il y en a désormais deux avec Pelé et Garincha. Et il y en a deux parce qu'ils sont différents et on ne peut pas en retirer un, en fait. Et pour Garincha, il va retenir le, le dribble et le rire, et, euh, ouais, le, le rire de, de la foule quand euh, elle voit Garincha jouer. Alors que pour Pelé, il retient euh, le, le destin. Il parle du, du destin. Il dit « Pelé, le, le propre destin » il parle aussi cette fois du, du respect de la foule plus que le rire et puis aussi de, de, de la victoire Pelé euh, et la victoire donc voilà c'est pour moi les deux plus grands joueurs brésiliens euh, de l'histoire et il symbolise bien un petit peu aussi cette opposition qu'on peut faire euh, parfois entre São Paulo et Rio avec euh, le, le travail côté euh, São Paulo et, euh, et le plaisir pour euh, Rio, c'est vrai que bah, quand on pense à Pelé Garincha il y, y a cette euh, opposition euh, qui est faite et Garincha le, le seul joueur brésilien vraiment à s'être approché de Pelé sans jamais vouloir sa place. Et on dit souvent au Brésil, enfin le Brésil respecte mais euh, respecte Pelé, pardon mais aime Garincha. Donc on voit cette, cette opposition qu'on peut voir aussi dans, dans les surnoms, ce qu'on a d'à côté le roi. Et de l'autre la joie du peuple, donc on voit vraiment deux choses qui sont euh, complètement opposées. Ouais, et c'est peut-être quelque chose qui d'ailleurs sur la notion dont tu le disais, hein, d'un côté entre le côté euh, travail, voire limite mécanique, robotique presque, hein, j'exagère je, un peu, j'amplifie un petit peu les caractères, hein, mais c'est pour que pour que les gens euh, puissent figer des idées. Parce qu'on le voit, ça existe encore, on continue d'opposer le côté mécanique, euh, robotique, donc je disais, au côté un petit peu émotion, plaisir. On le voit, hein, ça a été fait aussi ces derniers temps avec Messi et Ronaldo, avec d'un côté Messi qui génère les Émotions et Ronaldo qui est le travailleur. Ils sont en train d'essayer de commencer à le faire avec la, probablement la prochaine génération en Europe euh, avec Mbappé Allende. On voit des articles qui arrivent là-dessus sur la notion entre deux footballs qui s'opposeraient, soi-disant. Elle est déjà faite avec Pelé, euh, avec Pelé et Garincha. Tu le dis, elle représente deux faces du Brésil et elle est un petit peu sous-jacente hein, quand même dans le, dans le documentaire, sans s'intéresser à Garincha, mais sur la partie de ce qu'est l'image de Pelé, de, à quel point ça le dépasse. Donc on le voit, ils il, il s'associent sur le terrain sans pour autant avoir une vraie relation dans le jeu. Quand ils s'affrontent, bon, bah, finalement, c'est un affrontement sportif, il n'y a pas. Grand chose de plus que cela, et puis de toute façon, ils s'affrontent pas. J'ai envie de te dire suffisamment pour que cela génère une vraie rivalité. On va quand même essayer de voir maintenant, Marcelin, comment l'un et l'autre se jugent, comment l'un voit l'autre et, et vice versa. On va commencer par euh, celui qui peut-être pour lequel c'est le plus compliqué, parce que <laughs> on va voir pourquoi avec Garincha. Est-ce que Garincha euh, a beaucoup parlé euh, de Pelé Non, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a très peu euh, d'interviews de, de Garincha qui sont disponibles. Il y a quand même en, en 81 une interview euh, avec le journaliste argentin euh, Carlos Bikic. Et euh, donc, Garincha déjà en, en fin de vie, il a peu d'argent, et du coup, le journaliste lui demande s'il a une aide de Pelé. Et Garincha répond que Pelé est un safado, donc un, un enfoiré. Et il dit aussi qu'il était... qu'il était devenu une étoile. Donc peut-être bah, justement, est-ce que euh, Garincha veut dire que le mythe Pelé dépasse l'homme euh, C'est peut-être ça. Après, cette interview, elle a été publiée au Japon, elle ne fait pas beaucoup de bruit. Euh, Jusqu'en 2012 où elle est récupérée par euh, ESPN et euh, pour euh, ESPN, il une hypothèse qui parle euh, peut-être de, de la romance de Pelé avec euh, Choucha qui était un, un top modèle, euh, présentatrice télé euh, brésilienne. Mais voilà, c'est un peu à peu près tout ce qu'il dit sur euh, sur Pelé. Euh, J'ai vu une interview aussi euh, pour euh, TV Cultura euh, de 78 où, où il parle pas du tout de, de Pelé. Et il y en a une de Redi, pour euh, Ready Record de, de 82 aussi. Où, euh, où Garincha prend Pelé en exemple pour euh, en fait parler des, des gens qui s'intéressent euh, seulement aux joueurs euh, sans s'intéresser à l'homme. Donc Manuel de Santos dans, dans le cas de, de Garincha. Et c'est vrai que Pelé lui-même a souvent, enfin même très souvent, fait la différence entre le joueur Pelé et, euh, et l'homme Edson. Et donc euh, bah, Garincha utilise cette, cet exemple pour, pour en parler. Mais, euh, mais sinon, il aborde très, très peu Pelé. Et, et dans ces interviews, geraint en fait, il parlait plutôt de, bah, de sa carrière, de ce qu'il avait fait, et puis aussi des, des nombreuses légendes qui, euh, qui l'entouraient. Mais euh, il y a assez peu de propos sur Pelé. Ouais, et puis, c'est intéressant au final, parce que tu t'aperçois que même s'il en parle peu, la façon dont il en parle, c'est un petit peu aussi euh, ce qui est sous-jacent dans ce documentaire sur la notion de l'image Pelé, de ce qu'est Pelé. Au-delà de Edson, c'est un petit peu abordé parfois dans le documentaire. On le sent hein, venir que le personnage Pelé finit par dépasser, tu l'as dit, euh, dépasser euh, un peu l'homme. C'est dans le documentaire, mais finalement, Garincha, lui, <laughs> il y a 40 ans, l'avait déjà dit, en fait, au final. C'est là où c'est assez intéressant. Il en parle peu, mais au final, tu te dis peut-être qu'il en parle assez bien, finalement, de, de ce qu'est Pelé. En revanche, Pelé, lui, euh, a beaucoup, beaucoup parlé de Garincha. De Garincha et. J'ai un peu envie de dire, euh, Marcelin, qu'il a un peu navigué entre deux feux. Hein. Parfois, il a été euh, dithyrambique au sujet de Garincha, notamment quand il évoque 58 et 62, et parfois un peu moins. Oui, dans, dans ses livres, c'est très positif. Il euh, y a par exemple « Ma vie de footballeur », qui a été euh, publié juste avant la Coupe du Monde 2014. Et Pelé refait un petit peu sa carrière en, en s'appuyant en fait, sur cinq euh, Coupes du Monde. Donc 50, 58, 70, 94 et 2014. Et donc il parle du match euh, contre l'URSS en 58, donc le premier en Coupe du Monde de Pelé, mais aussi de Garincha. Et Pelé écrit euh, Dès que Garincha a touché la balle, le public s'est mis à rire. Les gradins étaient presque entièrement remplis de Suédois qui, grâce au pitreries de Garincha, ont soutenu le Brésil dès les premières minutes de jeu. C'est largement grâce à lui que nous sommes parvenus en quart de finale. C'est voilà, assez euh, élogieux. Il ne parle pas donc, de, de 62 dans ce livre mais dans euh, une autre biographie donc euh, Ma Vie euh, qui a été publiée en 2006 qui est disponible en, en français qui est, qui est assez complète euh, il parle de, de cette Coupe du Monde 62 et, euh, et il parle oui, de, de, de Garencha de tout ce qu'il a apporté au Brésil lors de cette Coupe du Monde et il parle aussi du soutien de Garincha. Lorsque Pelé se blesse, Garincha va proposer notamment aux médecins d'envoyer Pelé à Pao Grande pour qu'il qu voit une guérisseuse du village. Donc voilà, il y a un regard bienveillant bah, peut-être de, de Garincha sur Pelé pour, pour le, face à, à sa blessure, mais aussi de, de Pelé euh, par rapport à Garincha qui reconnaît pleinement la participation de, de Garincha aux Coupes du Monde de 62 évidemment, euh, mais aussi de, de 58. Et lors d'une interview aussi, Pelé avait déclaré euh, Quand je vais mourir, j'espère que je pourrai être avec Garencha comme je l'ai été ici. Donc là aussi, c'est très euh, élogieux, même si euh, à la mort de Maradona, Pelé avait dit J'espère qu'un jour on pourra jouer ensemble au ciel. Donc euh, c'est un petit peu le même hommage et je trouve ça, ça re, retire un petit peu la, la, de la beauté à, à ce qu'il avait dit. Ouais, mais bon, on le voit, hein, il est quand même. Enfin euh, voilà, il n'y a pas franchement euh, de, de, de choses qui permettent de creuser une rivalité, même si, même si, évidemment, il y a quand même une certaine distance. Hein. Pelé prend parfois, je ne vais pas dire souvent, mais prend parfois une vraie distance avec euh, avec Garincha, hein. bah, Il peut avoir oui, tendance à se, se mettre au-dessus et, euh, et c'est sûr que oui, même si sur 58, s'il si, si peut dire que. Garincha a aidé, c'est sûr qu'il va dire que c'est quand même sa Coupe du Monde, enfin, sa Coupe du Monde c'est 70, mais le Brésil a remporté 58 aussi, et surtout grâce à lui. Il y a vraiment une interview de 2000 pour Epoca où Pelé dit que Garincha buvait avant l'entraînement et surtout il va nier une amitié avec Garincha. Où il dit carrément, c'est l'une des choses qui me rend le plus triste. Tout le monde croit qu'on était de grands amis, mais je n'avais aucune amitié avec lui. Euh, donc là, c'est assez euh, violent, je trouve, quand même. Il justifie comme ça son, son absence euh, à l'enterrement euh, de Garencha, qui, qui euh, ce qui lui avait été reproché. Il dit aussi parce qu'il n'aimait pas les enterrements. Euh, bon, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin d'aimer euh, les enterrements pour, euh, pour y aller. Non. Mais euh, <laughs> justement, lors de, de l'enterrement de, de Garencha, des gens vont crier pelé umsafado. Et donc peut-être que le, cette opposition entre les deux est ressentie plus fortement par euh, les fans de Garincha que Garincha lui-même, ou même s'il a dit aussi que c'était un, un, un safado euh, à, à la fin de sa vie, euh, je ne pense pas qu'il avait de, de recœur en, envers euh, Pelé, et il n'attendait euh, rien de de Pelé. Et, et donc dans cette biographie de, de Pelé, on voit qu'il rend hommage au, au talent de Garincha Et mais c'est juste que les deux étaient, étaient pas amis, en fait Garincha était plus proche de de ses coéquipiers du, du Botafogo, surtout Nilton Santos et Didi. Et puis, on l'a dit, c'était vraiment deux personnalités très différentes. Donc, euh, ils ne s'entendaient pas forcément, mais il n'y avait pas de, de rivalité euh, entre deux. Et il va y avoir une, une dernière rencontre donc, qui va être en novembre 82, donc quelques semaines seulement avant le, la mort de Garincha qui va être euh, organisée par la, la revue euh, Placard. Et les, les deux vont parler de, de leurs souvenirs, donc de, de 58, un petit peu de, de 62 aussi. Et à la fin, Garencha va, va inviter Pelé euh, à l'école de foot où, où il travaillait euh, à l'époque. Donc, euh, voilà, pas, pas une, une amitié, mais euh, ils mais n'étaient pas euh, ennemis. Quoi. Il n'y avait pas de, de, de mésentente entre les deux. Ouais, c'est ça et on en vient presque à se demander de savoir si justement on parlait de réécriture de l'histoire tout à l'heure on se commencera on finirait peut-être presque par se demander si euh, cette euh, rivalité potentielle parce qu'on le voit il y en a il n'y a pas franchement de quoi de quoi euh, alimenter euh, des rubriques rivalité entre les deux que ce soit dans les déclarations dans les comportements etc de l'un envers l'autre on se demande si finalement tout cela c'est pas euh, c'est pas une affaire assez récente et finalement on va se poser la grande question parce qu'elle reste ouverte pourquoi donc est-ce qu'il peut y avoir une Telle réécriture de l'histoire, pourquoi est-ce que on aurait effacé Garincha La question. Alors, on n'aura pas forcément la réponse, mais la question sous-jacente à cela, Marcelin, c'est est-ce que finalement, et tu l'as évoqué un petit peu avant, tu l'as évoqué aussi quand tu faisais l'opposition entre Sao Paulo et Rio, on l'a fait systématiquement quand on regarde Garincha d'un côté et Pelé de l'autre, et dans la façon dont tu l'as fait aussi dont on décrit les deux. Est-ce que finalement cette réécriture, ça pourrait pas aussi venir du fait que Garincha représente un brésil et pelé en représente un autre un autre brésil donc celui de pelé qui est peut-être celui que l'on a envie de vendre aujourd'hui alors oui pourquoi il n'y a pas du tout Garrincha dans dans le documentaire c'est une question qui sera à poser pour, pour les producteurs parce que c'est vraiment euh, très surprenant euh, même si on peut dire que le, le doc est quand même très centré sur pelé euh, puisque ses, ses autres grands coéquipiers ne, ne sont pas mentionnés euh, il y a coutinho même s'il euh, il intervient dans, dans le documentaire euh, on n'en parle pas, alors qu'il parle à un moment des, des, des grandes tournées de Santos. Euh, il y a eu aussi Toninho Guerrero, donc dans la, la seconde phase de la carrière de, de Pelé à Santos. Euh, Tostao à la Coupe du Monde 70, alors que la Coupe du Monde 70 a une place très importante dans le doc. On ne parle pas de, de, de Tostao, alors que, euh, encore plus, euh, enfin, plus qu'avec Garrincha. en tout cas, il y avait une vraie connexion euh, Pelé-Tostao sur, sur la Coupe du Monde. Euh, il y a aussi Giorgio Chinaglia, donc vraiment pour être complet sur. Euh, sur les, les, les partenaires de Pelé, euh, même si le, le cosmos n'est pas abordé dans, dans le documentaire, mais c'est vraiment Pelé. Et d'ailleurs, sur la finale de la Coupe du Monde 58, on voit l'ouverture du score de la Suède, on voit les deux buts de Pelé, mais on ne voit pas le but de, de Zagallo, par exemple, euh, qui marque le quatrième but et qui intervient dans le documentaire, mais on ne voit pas son but. Et on ne voit pas non plus les deux premiers buts du Brésil, donc qui permettent d'égaliser puis de prendre l'avantage, et deux buts où, où Garincha réalise la, la passe décisive. Donc là encore, en 58, il y avait l'espace pour montrer Garincha, mais euh, il est oublié et on montre seulement les deux buts euh, de Pelé. Euh, mais euh, c'est sûr que Pelé et Garincha vont symboliser deux footballs euh, différents. Et ouais, ce que dit euh, très bien Mario Filho dans, dans son livre. Il y a vraiment la victoire pour Pelé et, euh, et le plaisir pour Garincha. Et au final, ce sont deux faces d'une même pièce qui serait le, le football brésilien. Et c'est pour ça que euh, Pelé et Garincha se, se complètent euh, euh, très bien, ils, ils sont opposés, mais en même temps, il, il y a une complémentarité entre les, les deux styles, puisqu'évidemment, le Brésil est le pays du, du jogo bonito et du dribble, même si euh, Pelé était, euh, était évidemment un dribbleur d'exception. On associe plus le dribble à Garincha, et le Brésil est aussi le plus grand vainqueur de, de, de la Coupe du Monde. Euh, on n'a pas un, un perdant euh, magnifique, c'est un pays qui s'est gagné, et Pelé en est le, le symbole sur, sur les trois euh, premières Coupe du Monde. Donc voilà, il y, y a vraiment cette opposition entre, entre plaisir et victoire avec euh, la victoire pour Pelé. D'ailleurs, il y a une citation de Jalma Santos, donc, qui a été double champion du monde avec les deux en, en 58 et 62, où euh, lorsqu'on lui demandait euh, qui, avec qui il préférait jouer entre Pelé et Garincha, et bien il disait, si mon équipe gagne, je préfère jouer avec Garincha, et si on perd, euh, je veux jouer avec Pelé. Et donc ça symbolise parfaitement les, les différences entre les deux joueurs. Ouais, mais c'est une différence, tu vois, à mettre en relation quand même cette, cette façon de revoir les choses avec le podcast que l'on a eu, notamment sur la disparition de, des surnoms. Et, et pour donner un exemple, alors ça reste un film avec ses erreurs et tout, mais le film qu'il y avait eu sur Pelé, euh, j'ai mangé le nom des deux réalisateurs, c'est pas grave, tant pis pour moi, c'est ce qui avaient fait Dos Escobar aussi. Le film avec euh, sur, sur, sur Pelé. Pelé est associé à Garincha dans ce, dans ce film-là par justement euh, la Jinga. Ils sont les héritiers de la Jinga. Et c'est intéressant de voir que sur ce documentaire-là, il bah, y a cette distance. Ces deux faces-là, tu l'as dit, hein, Pelé aussi représentait le, le Jogo Bonito. Euh, tu as l'impression que là, on a décidé dans ce doc que finalement, il ne le représenterait plus. C'est assez étonnant quand même. Hein, tout ça à mettre en relation avec ce, que on a, ce dont on a parlé sur l'européanisation des surnoms, c'est quand même intéressant de ce point de vue-là. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, il y a quelque chose quand même. Hein. Oui, c'est ouais, c'est beaucoup plus le, le côté victoire de, de Pelé qui est mis euh, en avant. Euh, je ne sais pas pourquoi euh, exactement, mais c'est vrai. Alors que oui, Pelé a fait des, des grandes choses sur le, le terrain et c'était aussi un, un plaisir de, de le voir jouer. Mais euh, ce n'est ouais, pas le, le côté qui, euh, qui est retenu dans, dans le documentaire. Donc on verra euh, plus tard s'il y a, a d'autres œuvres qui, qui en parlent différemment. Mais, euh, mais ouais, pour ce, ce doc, c'est en tout cas ce qui est retenu. Et, euh, et Garin Chad, du coup, est, est complètement oublié. Ouais, exactement, il me semble que c'est les frères Zimbaliste pour le, le film sur, euh, sur Pelé, euh, Jeff et Michael. Voilà, c'est ça. Je, je, je viens de retrouver. Donc voilà, vous pouvez le voir aussi et vous verrez que là, dans ce, dans ce film-là, qui reste un film avec ses imprécisions, euh, je sais que tu l'as vu toi aussi, hein, Marcelin. Enfin, euh, je pose pas la question parce que de toute façon, tout ce qui concerne le Brésil, tu l'as vu. <laughs> <laughs> mais, euh, mais mais voilà, là, pour le coup, les deux ne sont pas euh, mis l'un contre l'autre ou euh, l'un effacé au, au détriment de l'autre, même si c'est un film sur Écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette histoire. C'est assez étonnant, hein, tout, euh, tout cela. Donc euh, n'oubliez pas quand même de, de regarder un petit peu les livres d'histoire, tout cela pour vous dire ça, finalement. Hein. Ce podcast, il va aussi servir à ça. Regardez un petit peu les livres d'histoire, allez voir ce qui s'était passé sur ces époques-là. Euh, bah allez vous lire notamment la biographie de Garincha de Marcelin, parce que vous verrez que dedans, on va vous parler notamment de 62, avec une autre histoire. Ce que tu évoquais, hein, le fait que c'est centré sur pelé, que l'on évoque surtout ses, ses partenaires. Ça, c'est un fait, ça n'est pas un problème. Euh, le fait est qu'il y a quand même cette réécriture avec Amarildo, hein, qui pose vraiment un gros problème. Je ne sais pas, mais tu vois, moi, c'est plus ça qui me gêne, plus le fait que évidemment on montre moins Tostao, on parle moins de Coutinho. Mais vraiment, réécrire avec euh, Amarildo, c'est plus problématique, je trouve. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Mais... Oui, ce que. Bon, plus, euh, ouais, encore une fois, Amarildo a eu son importance ouais. euh, en 62 avec d'autres joueurs. C'est ça. Mais, euh, mais ça n'a pas du tout été le, le joueur. Euh, y a, oui, il n'y a même pas de débat. C'est vrai qu'on oui, ne peut pas dire ça. Euh, le joueur, c'était Garantcha. Et. Et, euh, et Amarildo a été euh, un joueur important. Et d'ailleurs, dans, dans la biographie de, de Pelé, donc, qui, est, qui est disponible aussi euh, en français, euh, bah, il, parle, il parle de d'Amarildo, mais ce n'est pas l'élément décisif de, de 62. Et c'est pas grâce à Pelé euh, qu'Amarildo a mis un doublé contre l'Espagne. Non, voilà. Et donc. Voilà, donc faites attention quand même, profitez-en quand même, utilisez ce documentaire, alors on va le rappeler quand même, parce qu'on n'est pas là non plus, je le disais tout à l'heure, pour être les vieux grincheux dans leur coin qui passent leur temps à dire « tout est nul », c'est pas vrai, ce documentaire est hyper intéressant, sur pas mal d'aspects, on l'a dit, notamment sur cette notion sous-jacente de euh, ben, ce que cela représente finalement d'être pelé pour l'homme Edson Arantes de Nascimento, c'est assez intéressant, et c'est intéressant notamment quand il doit évoquer la dictature, où c'est peut-être l'une des premières fois où on voit quelqu'un venir vraiment le titiller là-dessus, et voilà, tout cela, rien que pour cela, tout cela est intéressant, mais, mais euh, il était important aussi pour nous, euh, dans ce podcast, de revenir un petit peu sur cette histoire, sur, euh, sur Garincha, pour qu'il ne soit pas oublié, parce qu'on a tendance à vouloir oublier certaines, euh, certaines légendes. Et lui, pour le coup, il ne faut pas... L'oublier, j'espère que donc du coup, vous n'oublierez pas tout cela. Ben, on va rester là, je vais, euh, je vais te remercier Marcelin de m'avoir euh, accompagné euh, sur ce, ces 45 minutes à peu près de podcast. Eh ben, merci à toi, et puis j'espère bientôt refaire un, un podcast peut-être pour parler plus de, du, du joueur Pelé. Ouais, exactement. Et il y en a des choses à dire, hein, parce que ne nous faites pas dire ce que l'on ne dit pas. Hein. Pelé est une légende et il y en a, il y, y en a des choses à dire. On, parle, on parlera hein, de ces 4 des 1000 buts, n'est-ce pas <laughs> C'était ça, ouais. <laughs> ça a fait beaucoup débat, ça aussi. Mais bon, on en reparlera, vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus. On... Il n'est pas question pour nous. Justement, on a montré qu'ils n'étaient pas véritablement rivaux, qu'ils n'étaient pas véritablement opposés, même s'ils représentent deux types de Brésil, pour certains. On, va vous, on vous montrera au fur et à mesure des émissions et, et même si vous avez lu nos articles que pour nous ils ne sont pas à opposer ils sont parfaitement complémentaires voilà on va en rester là je vais vous remercier de nous écouter de nous soutenir toujours aussi nombreux je vous invite toujours donc à, à réagir à ce genre de à ces émissions sur les réseaux sociaux sur notre chaîne YouTube à venir nous rendre visite etc, etc. je vais vous souhaiter une bonne fin de journée d'après midi ou un bon début de journée hein, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux a bientôt les amis